Au revoir, Coco, mon ami cocaïnomane, tu vas nous manquer. Bonsoir à tous. On est vendredi et c'est bientôt le week-end. En plus, c'est vrai ce coup-ci. J'espère que vous avez passé un bon jeudi. J'ai une chose à dire, la fibre. La fibre. C'est ça que c'est bon. On va baisser un peu la musique. Je vais vous raconter tout ça. On va se mettre directement sur l'interface du jeu et on va se lancer le jeu. On va faire la petite sponsor pendant ce temps-là. Ouais, je t'ai fait sursauter. Je suis un mec qui fait peur. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, on devait faire un react sur What the Cut, mais en fait, j'avais envie de jouer. Donc, je me suis dit, mec, c'est ton live. En fait, fais ce que tu veux. Donc, on va jouer. What the Cut, on va se le garder pour les soirées, tout ça. Vas-y, je cherche ma scène. Yes! Dis-moi que ça marche. Ça marche! On lance la partie. Let's go. Ok, cookies. Les vieux, là, qui ont un certain âge. Vous vous souvenez de La plus belle gringo? Avec le mec qui venait choisir son café. Il le sentait, qui disait, non, ça, c'est pas le bon café. Et bah, cookies, c'est un peu ça. Sauf que lui, c'est la fleur de CBD, son truc, il choisit les meilleures fleurs de CBD, il nous les vend à un prix très intéressant. Donc c'est de la fleur de qualité à un prix intéressant et en plus grâce à nous vous avez un rabais de 20% avec le code PATCHO10. Ouais, pas de logique chez nous, la logique on l'encule. Faites des achats là-bas parce que déjà en vrai vraiment c'est du très bon matos et en plus bah ça aide la chaîne, on a une petite rémunération de notre côté. Ça, c'est... On en est où? 60%. La fibre, ça a été une aventure les amis. J'avais fait un cauchemar où le mec me disait bah on n'arrive pas à passer la fibre dans votre gaine, sachant que la maison et le poteau, il y a 100 mètres, un peu plus de 100 mètres. Et j'étais là dans mon cauchemar, le mec me dit que le câble passe pas et genre il y a pas de solution quoi. Le mec il se pointe, commence à regarder, il me dit ouais, il y a pas de regard. Je fais bah écoutez non, je sais pas s'il y en a un, je sais pas où il est. L'installation il a été fait il y a plus de 30 ans, moi je sais pas où est le regard. On a commencé à chercher, on l'a pas trouvé. Il me dit bah s'il y a pas de regard, j'arriverai pas à passer le câble, je m'en vais. Bah non, en fait tu t'en vas pas, tu vas rester un peu avec moi. On va essayer de trouver une solution quand même. Et là le gars il me dit ouais bon d'accord, donc on cherche un peu et tout, on trouve pas. Et là il me dit bon bah je me barre. Je fais bah non, tu vas te barrer maintenant, on va essayer de passer l'aiguille, on va essayer d'entendre un petit peu et tout. Donc on essaye de trouver avec le son d'où vient le blocage. On trouve un endroit et cet endroit là en fait il y a une énorme haie. Et le mec il me dit bah ce qu'il faut c'est ramener une petite pelle, arracher tous les arbres et creuser un trou et tout. Je dis bah non, on va pas faire ça. Je dis pas faire ça, tu restes là. Donc je réfléchis, je dis bah écoute, dans ces cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer et une nouvelle gaine et puis moi je l'enterrerai plus tard. Donc il a fallu que je cours chez trouver un fournisseur parce que bah trouver il fallait du coup 150 mètres de gaine. Trouver 150 mètres de gaine à enterrer à l'arrache si tu veux avec le mec qui veut se barrer, il veut pas rester, il veut pas faire ça. C'est un peu compliqué. Donc j'ai trouvé ça, j'ai acheté 250 balles. Je vous avoue que c'était pas le moment, c'est un petit budget que j'avais prévu pour ma salle de stream donc ça m'a un peu mis chafouin mais bon bah comme ça. Et puis je lui ai ramené la gaine et on a passé le câble de la fibre directement au sol dans la gaine. Donc il faut que là je me tape 100 mètres de tranchée pour pouvoir enterrer ma gaine. Et la joie, c'est le bonheur. Bref, en attendant, j'ai la fibre. Et c'est vachement bien. Donc j'ai entre 500 et 600 mégabits en down et entre 600 et 700. Donc c'est vachement bien. Là, je suis en CPL du coup dans le camion. Et j'ai 100 mégas en down et 90 mégas en up. Largement suffisant. J'aime les mégabits. Merci Surdoc et bonjour. Donc voilà mon aventure pour la fibre. Ça a été épique et ça me change la vie. Hein. C'est incroyable. Déjà j'entends les gens, je peux parler, je vais pouvoir recevoir du monde. On va pouvoir faire des petits feats sympas. J'ai une ou deux amis qui ont envie de me rejoindre. Déjà dans l'aventure Space Engineer et puis dans d'autres jeux. Moi j'aimerais bien découvrir les jeux d'horreur et j'ai une amie qui est spécialisée un peu là-dedans. Donc on aimerait bien découvrir ça ensemble avec vous. Ça au fur et à mesure. Voilà, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi et à vous. Wow. Bon, sinon, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Notre Pli 2 est incroyablement puissant, mais pas assez, donc il faudra qu'on rajoute des réacteurs pour qu'ils soient un peu manœuvrables. On a de la place, on a le temps, pas une urgence. Mais grave, ouais, non, mais sérieux, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on découvre des trucs ensemble, qu'on essaye des jeux ensemble. Sur Discord, vous avez une section pour ça, vous le mettez. Moi, j'y vais régulièrement, je jette un coup d'œil. Bonjour, Madge. Pareil, s'il y a des vidéas, des choses que date un peu, vous avez envie de revoir et que je découvre avec vous. Voilà, sachez que j'ai rien vu depuis sur YouTube. En gros, je connais Super Connerie, bon, Psyodélique, hein, machin. Je connais Greg Tabibian, qui
Ouais, c'est un peu bête. Pas grand chose. Isio, évidemment, un peu Isio. Isio, c'est un peu différent, c'est un peu la famille. Le plus simple, c'est de passer par Discord, Rockblin. On a une section du Discord pour ça, suggestion live. N'hésitez pas. Sinon, je demande à Café de créer une suggestion uniquement pour moi, mais bon, c'est un peu con. Il y a le truc que vous mettez pour Pierre. Oui, Greg, par exemple, il va pouvoir me rejoindre maintenant quand il veut, quoi. Avant, on pouvait pas, c'était compliqué. Discord, pour n'être pas. Vous voyez, j'arrête pas de tourner en rond. On va aller voir, Alors, on en est où? On a été chercher un peu de cobalt, on en a assez pour commencer là-bas. Si on y retournera en charge, ça va vite, ça va bien, on se prend pas la tête. On a créé l'antenne de notre base. Et on a créé notre première foreuse pour commencer à créer l'embryon de la grande salle que je prévois pour nous servir de base. Donc là, on fera un petit ascenseur. On va créer un grand cercle. Et puis dans ce grand cercle, je pourrais placer des pièces avec ce qu'on a besoin comme stockage, tout ça. Et après, on pourra faire les départs des routes qui vont aller vers les mines. Et comme ça, on évitera de faire des trous dans la glace. Et on gardera une surface de glace propre et immaculée. Wow ! Incroyable. T'es en train de boire du bulco à la fraise, Surdoc ? Attention, ne rigole pas en même temps. Ça pourrait être dangereux. N'est pas de l'alcool. Attends, mais c'est pas de l'alcool, Surdoc ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui t'arrive ? Rendez-nous, Surdoc ! Bah, tu vois, par exemple, Elden Ring, je connais le nom. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Là, merci, Madjian. Ok, on n'a pas de recharge. Oh, tu te recharges pas, toi ? Normalement, tu devrais quand même te recharger un peu. Oh, vous vous rechargez pas, vous ? Normalement, vous devriez recharger un peu. Et toi, tu tournes ? Il est où le moteur ? On l'a caché là. On va quand même vérifier ça. Ça compte pas avoir d'électricité ? Production. Non, c'est là qu'il faut qu'on ait pas de contrôle. Bien sûr. Moteur à hydrogène. Hein. Moteur à hydrogène rempli à 17,5%. On n'a pas assez de puissance. Ça craint. Ça craint. Bon, on a un problème de production d'électricité. Je vous rappelle quelque chose. Quand même un peu de travers, hein. On va dire qu'on... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on se fait des éoliennes en attendant ? Ouais, éoliennes. Ouais. Ma config, alors pour l'instant, je suis sur un portable qui est pas trop mauvais. C'est un MSI Léopard G76 quelque chose. J'ai une 3070 en carte graphique. Un petit peu vénère à ce qui paraît. Donc, j'ai pas encore une config au top. Mais pour l'instant, pour commencer, ça va bien aller. Parce que l'argent. J'espère que la chaîne me permettra de me payer un PC de gaming dès que possible et digne de ce nom. Et pour l'instant, les pattes avant. Donc le portable, ça ira bien. Mais c'est une bonne machine, hein. Attention, je suis vraiment pas de quoi me plaindre. On a déjà fait plusieurs tours, hein, je pense. Hein. On va augmenter un peu la rotation pour être sûr. On va essayer de se concentrer un peu sur le jeu. Non, là, par contre, je suis emmerdé. C'est que je vais rajouter des écrans. Parce que les écrans, c'est la vie, surtout quand tu streams. Et il faut que je trouve un adaptateur USB-C qui soit compatible... Alors attends, moi c'est un USB-C 3.2 Gen 2 Alt Display. Et il faut que ça soit compatible avec ça pour que je puisse brancher 3 écrans. Non, alors attends, oui sur Doc, il y aura, je t'explique, sur le boîtier USB-C, il y aura 3 écrans, donc j'aurai un triple screen. Mais j'ai toujours l'écran principal du PC, donc ça me fait un quatrième écran. Attention, là je passe dans le monde professionnel. J'aurai l'écran du portable qui sera donc mon cinquième écran. Et là, on va sur le streamer professionnel. Et là, on pète un câble puisque j'aurai un sixième écran. J'ai ma tablette qui est transformée en écran grâce à une petite appli. Et dessus, je vous avoue le chat. Et franchement, on va pas se mentir, que j'ai le chat le plus près possible de moi, vu ma vue. Pas mal. Pratique. En vrai, c'est super pratique. Donc ça, ce petit écran-là, quoi qu'il arrive, je le garde. C'est la vie. Donc je vais avoir 6 écrans. Vous allez quand même pas me dire que je me fous pas de votre gueule. 6 écrans. Ok, on a fait le tour plusieurs fois, on va arrêter le rotor et on va commencer à fabriquer une petite extension, une toute petite, la première. Je calme tout, très bien, merci. On va couper ça direct. J'ai commencé à ramener le bois de récup, là, que je vais utiliser pour faire les plans de travail. J'ai un peu de boulot, mais ça devrait être sympa. J'aime bien l'idée de faire de la récup. Je vais faire mon connard d'écologiste, mais pas mal. J'aime bien. On va faire par là. Ouais, on va faire ça. Des fois, je fais des plans, et des fois, j'ai des idées, et il y a des fois, j'y vais complètement à l'arrache. Là, on y va complètement à l'arrache. Bien aussi. J'avais pas ce qu'il fallait. Tu savais ce que j'aurais dû foutre? Et ici, j'aurais dû mettre un petit cargo container. Ça m'éviterait de me faire chier à chaque fois. Ah oui. Non, c'est pas drôle. On va prendre de quoi faire ça. On va le mettre là. Ouais, après, j'ai un peu d'outillage, j'ai un peu l'habitude. Je vais essayer de faire un truc sympa. Et j'ai pas tout l'outillage et j'ai moins l'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pas bricolé comme ça. Mais je vais essayer de faire un truc cool. Alors, on m'a dit qu'il nous fallait du tube. Donne-moi du tube. Et tout posé sur le clavier. Des missiles, t'as compris. Hop, on va faire ça.
Là, on va mettre un peut-être deux. Non, les deux, ils vont pas passer. On dit qu'ils passent pas, mais on va quand même tenter. Des fois, quelques centimètres près. Si t'étais un piston, tu cacherais où, toi? Par là, hein. On s'en est servi dès le début. Tu passais deux fois devant, hein. Il est pas là, le piston? Non, possible. Genre, il est pas là. Genre, j'ai pas de piston. J'ai un Space Engineer et j'ai pas de piston. Lol. Ah, il est là, peut-être. Alors. Non, je déconne, vous avez servi à rien, je regardais même pas. Hey, vas-y, viens, on fait le loup. On se met le piston dans le dos, pas ça. Et là, je vais avoir creusé, mais pas au bon endroit, normalement. Sinon, c'est pas drôle. Il me semble vachement profond, ce trou. Il me semblait, je fais n'importe quoi. Ah, j'ai fait tout le tour. Comment j'ai pu me retrouver là? Est-ce que... Mais... Ah ouais, je suis parti comme ça. D'accord. On sait, mais peser. Oui, en fait, je fais à chaque fois, je fais ça. On doit être bien, alors. Hein, pour pas manquer grand chose. Je vais faire un petit pic. Mais. Hein, ça, je vois où je dois percer. Brouillez-vous, quoi de beau de prévu ce week-end? On a une grosse soirée, hein. Ce soir, c'est l'armée sans temps. On va se détendre tranquillement en faisant des cubes en attendant. Ce soir, si vous a fonctionné les ambiances chill, oubliez pas envie. Vive la rhubarbe. Est-ce que je pourrais faire ça avec un drone? Que je fais là? De construire? Ce soir, tu feras des tubes devant un tour, ouais. T'as l'air vraiment bien, le dernier ring, pour y passer un week-end. Pareil, il y a un format que j'aimerais bien faire, un de ces quatre, c'est une espèce de marathon. Parce que, en fait, quand j'étais jeune, moi, je tenais, plusieurs jours sans dormir. Maintenant, si tu veux, la journée, je la tiens pas. La nuit blanche va te faire que tu la passes pas. Donc, je me dis que ça pourrait être sympa de me lancer un défi, de faire un espèce de marathon de jeu sur 24 heures, tu vois. Sachant que, je vais m'effondrer comme une merde, certainement, à un moment. Et, par contre, j'ai pas d'idée de jeu. J'aurais bien voulu un jeu à aventure, un truc un peu, bah, pas d'idée non plus. Allez, on va essayer de placer la foreuse. Oh, ah, elle passe toujours pas. On va recommencer le même truc, hein. Ça n'a pas marché la première fois, on va retenter une deuxième fois. On essaiera de placer le cube avant. Avant de découper les autres, parce qu'on va pas y retourner quand même à chaque fois. Ouais, ça plante mal. Ah, voilà, il passe pas du tout. On a mis combien? On le voit. Là, je comprends plus rien. La merde, c'est de la... Là, que c'est mieux. Il reste un petit bout de caillou là. Vous voyez celui-là là? Il va nous casser les pieds comme vous imaginez même pas. Là, on est parti pour 10 minutes à essayer de le niquer. Ah. Ah! Ça, c'est le truc du dessus qui vient de m'exploser dans la gueule. Oh, le caillou maudit. Ah, on l'a eu. Alors. Wow. Dans le bon sens, n'importe quoi. Mais j'aime bien. Et c'est bon. On est d'accord qu'à un moment, ça va seulement merder. Donc, on va... Quoi qui fait chier. Salut, Black Hat. Alors, aujourd'hui, on fabrique une grosse foreuse. Hop, on va bien réaplanir le sol en profit. Hop. Là, je vais à la main. On va passer, là, non? Peut-être pas. On dit bien sûr. Va pas taper un peu là-dessus, non? Non, c'est bon. Ouais, non. Vas-y, on va voir. De toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça explose? Pas très grave. Ok, on est dans l'axe. C'est bon, on va dire que c'est bon. Il nous faut le premier. Hop, et on soude. Tente de finir? Ouais. Ça se tente. Fais d'ambition. Ok, calme. Et c'est bon. Ok, alors ce piston-là, hop, on va l'appeler. Oh, on va lui mettre une vitesse faible. On va le partager le tenseur d'inertie. C'est moi-même, j'aime bien. Là, je vais l'appeler piston. Et là, je vais lui mettre une vélocité. Et je vais partager le tenseur d'inertie parce que je vais faire un tour sur moi-même parce que aussi, voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, normalement, si la foreuse. On peut prendre ces foreuses-là, les appeler foreuses base. Bien sûr, foreuses base, c'est la bonne idée. Et je les commute en on, les masques. C'est de toute beauté. Incroyable. Maintenant, je fais tourner le rotor pas trop vite. Parce que vaut mieux. Et dans ce sens-là, ça serait pas trop con. Ok. Ok, moi je dis on est pas mal. Super.
Maintenant, on est à 12% d'énergie. Je dirais comme ça, niveau priorité, j'ai envie de dire, viens, on va recharger. Et maintenant, on va pouvoir penser à l'électricité. Personne ne m'y fait penser. Vous m'aidez pas, hein, je vous jure. Quand on est nombreux, on devrait arriver à faire quelque chose en groupe. Wow. Calmez-vous. Pas ça. Pas non plus. Hop, en fait, j'ai fini depuis longtemps. Un petit tour à l'aquarium pour voir si les poissons vont bien. Les poissons vont bien. Comment? On est reparti. On a dit des éoliennes. Bien sûr, les éoliennes, le bonheur. En vrai, par contre, est-ce que là, on construirait pas vraiment un champ d'éoliennes qui vous... Là, on a de la batterie. Ok, alors, bien sûr, l'énergie facile. Il y a les panneaux solaires aussi, mais on va en faire après. On va faire après. On va se créer, alors attends. Ouais, on va le créer par là, le champ d'éoliennes. On va faire ça. Qu'est-ce que j'ai là? On a ça, c'est joli. On va utiliser ça. Ah, non, ça fait 1, 2, 8, 9 et 10. Là, on va faire un 1, comme ça. Et là, on va faire... On va faire 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc 10, 1, tac, tac, tac. Ok, les éoliennes. Les éoliennes. Une comme ça, une comme ça. Comme ça, une comme ça, une comme ça. Et on va faire un truc rigolo. On va se rajouter un peu d'éclairage, un peu de spot, un spot, deux spots. Et 400. Voilà. On va commencer par... C'est deux. Ok. Yes. Ok, il nous en reste une. Petit Décilium, bienvenue à toi. Alors, regardez, incroyable. Je pense qu'il nous en faudra plusieurs comme ça. On va quand même regarder déjà où on en est au niveau de la batterie. Ça met en mode recharge, ça donne quoi? Rafraîchir quand ça veut ou juste pas rafraîchir? Power, heavy overload. Ça va vouloir dire que je suis pas bon. On va construire plus d'éoliennes. Et bien, la solution sont plus d'éoliennes, comme plus de réacteurs, bien sûr. Alors, au niveau de l'écartement, j'en suis colle comme ça, ça va être bon. Je pense qu'on va laisser au moins 6. On va l'agrandir tout de suite. Ça sera fait. On n'en parlera plus. On va en construire une de chaque. C'est ça que je veux faire. Hey. Le soleil, il tape en plein sur le camion, là. Il fait une chaleur, vous imaginez même pas. Se peut que je finisse le live nu. Restez avec moi. Alors... Waouh. Je voulais pas faire ça. Ouais, ça fait peur. C'est incroyable. C'est de toute beauté, regardez ça. J'ai fait des cubes et je les ai alignés. J'adore ça. Alors, non, non, je vais pas voir les signaux inconnus. On m'a déjà fait le coup, le ravin de la mort. Tata, je me souviens. 1, 3, 6, 7, 8, 9 et 10. Toi aussi, viens t'amuser à apprendre à compter avec Pierre comme un télétubbies. 1, 2, 5, 7, 8, 9. Mate la gueule de Dora. La plus chère. Alors... Eh, en vrai, en vrai, je les ai pas... En vrai, tu sais quoi, je suis dans la merde. Mais en vrai, je suis un âne. Et vous m'avez laissé faire. Faut qu'on travaille la communication entre nous. Regardez, ça passera jamais. J'ai déjà entendu cette phrase. D'habitude, je dis si, ça va passer, mais là, j'ai un doute. En vrai, si ça passe, c'est rigolo. Qui dit que ça passe? Qui dit que ça passe pas? Moi, je dis que ça passe pas. Putain, ça passe. Ok, j'ai rien dit. Faites comme si cette séquence n'était jamais arrivée. Tout était calculé. Je suis un professionnel de Space Engineer. Je savais que ça allait passer. À l'œil, comme ça. En vrai, ça va être rigolo. J'aime rien. Non, j'ai dit c'est rigolo, ça vous pense à quelque chose? Qui a la ref? Bon, je pense que quand on aura les réacteurs nucléaires, ça sera de l'histoire ancienne. Après, je vais me faire une salle des machines avec un moteur à hydrogène. On a de la glace, on est sur un lac. Je les aime bien, les moteurs. Confiance à la machine. Ouais, c'est satisfaisant, ouais. En fait, ce qui est marrant dans Space Engineer, c'est que tu te crées des problèmes et tu les règles. Un peu comme dans la vie. Mais voilà, quoi, quand t'as des petits défis, c'est rigolo. Après, il y a tellement de façons d'y jouer à ce jeu-là que voilà, faut pas vous limiter, quoi. C'est vraiment un bac à sable. Moi, j'ai vu des mecs qui arrivent à faire des trucs un peu style médiéval, quoi. T'as même des gars, ils fabriquent des trucs en jouant avec les textures des cubes abîmés. C'est-à-dire que si j'abîme un cube, là, vous allez voir, il va se déformer d'une certaine façon. Et bah, t'as des gars, ils jouent avec ça pour créer des textures, pour détourner un peu l'usage premier du cube pour en faire quelque chose d'autre, quoi. C'est génial. Moi, je suis très mauvais à côté d'eux. J'arrive déjà à faire des trucs qui fonctionnent. C'est déjà pas mal. Ah, oh, ce que j'ai horreur quand ça fait ça. Le pont de construction, c'est mon pire ennemi. C'est mon meilleur ami et mon pire ennemi en même temps. Il y a plus de plaques, là, il y a pas de plaques. C'est sûr, j'en ai pas construit beaucoup. Je crois qu'on est sur le premier stock que j'avais fabriqué quand on était encore dans l'ancienne base. Donc. Ah ouais, ça fabrique à cette vitesse-là? Délire. Il n'y a pas d'électricité. Ça va être long du tout. Va mourir l'énergie. Mais oui, mais bien sûr. Voilà. Voilà, c'est ça le travail d'équipe. Merci, monsieur Diablon. Et on va vérifier l'hydrogène aussi pendant qu'on y est. C'est un bouton qu'on l'a pas vérifié. Vous voyez la petite réunion de tout à l'heure? On était là, oui, ça sert à rien. Bah si, on a réglé le problème de communication entre moi et monsieur Diabulon, déjà ça mal. On est une équipe de deux pour l'instant. Alors, on a bien fait de vérifier l'hydrogène aussi. Et où frangin? On va se boire une petite gorgée de café et on va y retourner. Alors, c'était un truc qui produit du H2, tu cacherais où? Ok, à pause. Si vous voulez. Il y a des commentaires, des fois je les lis sur le chat, je sais pas quoi en penser. Je peux faire le boulot de la plante verte, j'ai une expérience d'arbre dans des pièces de théâtre si besoin. Si je remonte, c'est sûr, je comprends, mais j'ai pas envie. Je vais rester là-dessus. Merci, Fronny. Fronny, pour les bar mitzvah, les anniversaires.
anniversaire, si vous avez besoin d'une plante verte, vous avez d'autres envies avec une plante verte, débrouillez-vous avec Franny. Un œuf de bœuf. Toi, tes questions, elles sont cheloues sur Doc. Je veux pas répondre à ça. Alors, on est reparti. Hop, on apporte des toilettes parce que hygiène quand même. Bonjour les poissons. On se jette dans le vide. Hop, waouh, incroyable. C'est plein de grâce que je viens de faire comme mouvement. Allez, en construction. Vous voyez, il y a une deuxième mouche. Je vais l'appeler Draghi 2. Calme. Ok, on en est où? Ouah, de calme. Ça marche pas, hein. Ça devrait être bon pourtant. Et viens, on va refaire ça. Ouais, non, il me restera ça à faire. Quoi ça? Alors. Total regret, 7 mégawatts, totalement épuisé dans 4 minutes. Pas cool. Ça veut dire qu'on produit pas assez. On produit toujours pas assez. On va en rajouter deux de chaque côté. Bien sûr. Ça vous rappelle pas quelque chose? On n'a pas déjà fait ça ensemble? Mais bien sûr. Les souvenirs. La nostalgie. On était où là? J'en avais déjà mis un. Donc faut que je fasse 6 entre les deux. Ah ouais, mais si je prends pas de plaque de métal, je vais jamais y arriver. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. Ok, ça c'est bon. On va la mettre à recharger pour pas casser. 1, bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toc. Viens voir 6 entre les deux. Oh non. Vous avez compté dans votre tête? Moi oui. Bien sûr. Non, c'est pas drôle. Bon, je suis pas mal. Ok. Ok. Le sens de l'esthétisme, le sens du pratique. Ok, jusqu'à là, on est pas mal. Bien sûr que ça passe. On le sait maintenant, on n'a plus peur. On connaît le pattern. Alors pour info, les petites tours là, c'est les plus efficaces. 10 de haut, cette forme là, prend le moins de place et qui est le plus efficace. Contrairement à la tour à la con qu'on a fait la dernière fois, qui est pas génial. Après, plus vous placez haut, mieux c'est, hein. Pareil. Vous avez moyen de foutre ça sur une montagne. Ouais, la symétrie, mais bien sûr, rien de mieux. Regarde ça. Alors 1, 2, 3, 4, 1, vas-y. Oh, bien, on fait pas ça. Vas-y, vider. On prend le plus. J'ai pas confiance. Voilà, tu vois, j'avais bien fait de pas avoir confiance. Prends ça, le plan de construction, il est vide. Quoi tu parles? T'es mal compté. On va se revider. Voilà, là je le sens. Là, je me dis qu'on va être efficace. Non, Madge, pas toi. L'humour suisse, quand même quelque chose. Autant les chocolats et les lingots d'or, vous savez faire, mais en l'humour. Et c'est ça aux Belges. Ok, on en est où? T'as dit quoi? Je le sens mal. Je le sens mal parce qu'il est toujours en rouge. Vraiment, j'ai l'impression de revivre une situation, hein, de vrai. Vas-y, il n'y a pas moyen qu'en fait, qu'on se démerde comme ça avec ce qu'on a, et tant pis. J'essaye de construire les moteurs à hydrogène rapidement. Peut-être un peu rapide. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Tranquille. On va creuser notre petite base pépère. On va se rajouter 3-4 moteurs à hydrogène, puis ça va le faire. Bien, c'est joli. Y a Match qui torture. Et bien sûr, mais il a raison. Ok. Après, on pourra se faire une tour solaire aussi. Hein. Je veux pas la poser n'importe où. Je vois bien la tour de contrôle avec un gros panneau solaire au-dessus. Vous avez pas ça, hein, au centre avec Goldorak, ça... Faudrait qu'on regarde un peu la gueule que ça avait. On veut que ça ressemble au truc de Goldorak. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de me souvenir d'une espèce d'énorme panneau solaire au-dessus. Peut-être que je me trompe. Après, on va se construire une petite unité de raffinerie uniquement pour la pierre. Ok, on en est où? On en est qu'on a mis trop de vitesse dans le piston et pas assez de vitesse dans la rotation. Ok, reviens en arrière. Ça revient en arrière. Dis de revenir en arrière. Je veux pas y aller. Je veux pas me faire plaisir. Mettre un peu de puissance dans l'axe. Beaucoup de puissance dans l'axe. Énormément de puissance dans l'axe. Beaucoup trop de... Voilà. Ça qu'il fallait faire. Alors, on va augmenter un peu la vitesse. Waouh, tu te calmes. Non, occulte. Non, non, tu me jettes pas la pierre, Pierre. Quel excellent film. C'est mieux comme ça. Ça a l'air d'être pas mal, hein. On va attendre une rotation complète. Non, c'est pas bon. Ça va pas assez vite. Mon piston va trop vite.
problème là, c'est qu'il est ralenti, du coup il va casser les couilles. Il va casser les couilles. Il va casser les couilles inverse. Ça fait qu'il est aussi rapide. On va diminuer la vitesse, c'est pas grave. Hop là. Le calme. On va diminuer la vitesse de celui-là aussi, du coup, on est emmerdé. Voilà. Bon, il a du mal. Là, ça sent le truc qui va te péter à la gueule, tu vois. En te tuant, évidemment. Un petit peu quand tu prends une scie circulaire et qu'il n'y a plus aucun carter de protection. C'est un peu ça. Si, à un moment, ça va tourner quand même. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est exactement ça. J'ai vu, toi, j'évite quand même les foreuses. Le goût du risque, mais pas trop. Voilà, bon, bah, on commence à avoir un embryon de base. Regardez ça, c'est pas beau. Bien sûr, c'est magnifique. On est où? On est que je fiche pas. Hein. Pourquoi mon moteur à hydrogène il marche pas mieux que ça? Tu raffines toi? T'es quoi? Générateur H2? J'ai l'impression que tu marches. Si, bien sûr. Mais en fait, t'es tout seul. T'as du mal. Tu galères. Tu aimerais avoir de l'aide. Tu aimerais avoir des amis. Tu aimerais que je rajoute des trucs comme ça. Et je peux le faire. J'ai laissé de la place normalement. Je me souviens plus du tout comment. Je peux plus y accéder là maintenant. Après, j'ai un problème d'électricité. On va pas oublier. Le bli-bli 2. Énergie l'eau. Tiens, on occupe de cette manœuvre. Oh combien inutile était. Magnifique. Alors, on a vraiment un problème d'électricité. Pour régler ce problème d'électricité, il faut que je fabrique une pièce qui est un peu compliquée, qui va demander pas mal de ressources quand même. Pas pour pite en vrai. Surtout qu'il va nous falloir une quantité de grille d'acier colossale. Et grille d'acier, ça veut dire cobalt. Le cobalt, il est à 1 km d'ici. Il faut qu'on fasse un tunnel d'un kilomètre, on n'y est pas. Donc, j'ai pas la moindre idée de comment on va faire le. Là, comme ça, je dirais, vas-y, rajoute des éoliennes. Mais combien ça produit une éolienne? Éolienne, ça produit 400 kW. Ouais. Donc en fait, il m'en faudra une bonne quinzaine comme ça. Là, pour l'instant, j'en ai trois fois plus. Si, solaire, ouais, mais le problème du solaire, si tu veux, c'est que ça marche quand il y a du soleil. Ça, c'est bien, mais c'est un peu chiant du coup. Bien, mais c'est un peu chiant. Alors, par exemple, la nuit, après, on peut recharger la journée effectivement et puis compter sur les batteries la nuit. Hein. Ouais, t'as complètement. Mais bien sûr, le nucléaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir de chaque côté. Là, on a une pattern de 5. Donc, si on en veut 15, on partira dans ce sens là et on va une rangée et une autre. Là on va partir de chaque côté, on va construire deux tours solaires. Il y a du soleil et on peut l'avoir une grande partie de la journée. On va en profiter un maximum. Pour ce faire, nous allons agrandir la grille et on va créer un panneau solaire qui bouge avec le soleil. Ça rigolo. Wow, une automatisation. Bienvenue dans les tutos de Pierre. T'as intérêt de suivre parce que je suis nul comme prof. Ok, parti. Une pattern de 6. On dit alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un petit trait ici, un petit trait ici. On vérifie qu'on a bien 6. On a bien. On fait la même chose. On aime la symétrie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, un petit peu. Maintenant, on passe avec nos tirons. Gardez un peu la même gueule. On aime la symétrie et l'esthétisme. La preuve, ce magnifique rose. On a choisi pour le pli deux incroyables vaisseaux qui nous a permis de faire la vingtaine de kilomètres qui nous séparait de notre point d'arrivée qui était catastrophique à ce point merveilleux qu'on peut appeler le paradis. Pas vérifié du tout. J'ai pas compté ma hauteur. Je viens de faire tomber un cul. J'avais dit. Bien. En vrai, tu vois, on va tenter. Ça va donner. Je crois que c'est 3 le pattern. On passe sur un petit carré, hop, et hop, une charnière. Ah non, un rotor, mais bien sûr un rotor, on va mettre le zéro vers nous, hop, un rotor avec le zéro vers nous. Après, derrière, on va mettre un charnière 9, on va mettre vers nous, hop, on va essayer déjà ça, une fois ça, t'as dû me vider avant.
Genre, il me manque des grands tubes. Pourquoi? En fabriquer, parce que j'en ai pas. Donc. C'est tellement lent quand on n'a pas d'électricité. Quand ça, c'est vide. On va l'inverser et on va s'éloigner d'un. Oh, calme, bien sûr. Et j'ai pas fini ça en plus. On va prendre de quoi faire tout de suite les panneaux solaires aussi, parce qu'on va en avoir besoin. Oh, il y a des éoliennes, on les a pas essayées. Ouais, j'ai fait n'importe. Vous m'avez laissé faire. Ok, 8. Là, j'ai un panneau de 3 par 3. Comment je vais le faire comme ça? Il fait combien? Non, il fait 2. 2 par 3. Je vais faire ça alors. Je vais faire ça. Je vais faire ça, bien sûr. Je vais faire un 9. Ah, je vais mettre un tube de cheveux. Je vais prendre un panneau solaire. Ah, tiens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point d'ancrage plus facile. On va le faire avec ça. On est des ouf. Deux par en haut, deux par en bas. Ok. Ça, 8. Ouais. Sans électricité, direction préhistoire. T'as complètement raison. On s'en rend bien compte. Alors, fais voir comment c'est aligné comme ça. C'est là ou ça va? Ça va. Bref, vas-y, je monte un. Voilà. De toute beauté. On va finir avec des triangles. Donc, c'est la vie. Ça passe. Ça passe. On va faire ça. On va s'arrêter un là. Oh, très calme. C'est parfait, ça. On va quand on finir de souder ça et on va faire l'automatisation. Fabriquer la deuxième. Par contre, il va falloir que c'est la manette de contrôle. Manette de contrôle, à mon avis, il va falloir de l'or et de l'argent. J'ai un problème à la fois. Père, il n'y a plus de soleil. Mais c'est incroyable. Alors, ce 32 panneaux solaires. Je vois qu'il n'y en a plus. Panneaux solaires? Production. Panneaux solaires. On va prendre notre temps. Apparemment, de toute façon, on n'a pas le choix. On va boire un peu d'eau. Ça viendra bientôt plus. Éolienne supérieure à panneaux solaires. Ouais, d'accord avec toi. Salut, Ulrich. Ouais, 2 heures. J'ai mis un cycle de 2 heures. Comment va la connexion? Mais hyper stable, mec. La fibre, c'est la vie. Alors, j'avais déjà connu ce changement-là quand j'étais passé la DSL à la fibre. Alors en région parisienne, mais je l'avais pas vécu de la même façon. Déjà mon besoin était pas le même et la fibre était moins violente qu'ici. Là j'ai une fibre qui est quand même assez violente, vraiment pas mal, vraiment bien. Bah, bonne chance Black Hat. Moi le mec il vous laisse barrer, hein. Je te jure, je l'ai limite séquestré. Et ça va que j'ai trouvé la solution, parce que si j'avais pas trouvé la solution, bah en fait j'aurais toujours pas la fibre. Avec le mec qui se barre et te dit ouais bah en fait vous aurez jamais la fibre à moins de démolir la moitié de la maison, quoi, si je l'avais écouté. À se prendre le piston dans la gueule, on sait plus. On en était à nos panneaux solaires. À nos panneaux solaires, j'en souviens même plus ce que j'ai fait. Il va me falloir des poutres. Comment ça, j'ai plus de diamants. J'ai plus de nickel. De quoi tu parles? Pas encore avec le problème d'électricité. En vrai, je rigole, mais. Ah merde, un peu. Ok, est-ce que je peux faire la manette? Je la mets où? Manette, je vais faire une espèce de maison là. Non. Je fais ça comme ça, on verra. La manette G. Alors, manette. Il me faut quoi? Plaque d'acier, ordinateur, affichage, moteur, composant de détection, composant de construction, plaque d'intérieur. Bon, ça va. Tranquillou, bilou, on n'a rien besoin de spécial. Composant de détection, on en a pas. Composant de détection, composant de détection, c'est lesquels? C'est un composant que tu fais de la détection, tu ressemblerais à ça, toi, non? Bien sûr. Tu peux m'en fabriquer, s'il te plaît? Je dis qu'il n'y a plus de nickel. Moi, je me dis, qu'est-ce que fous leur affaire? Nickel, silicium. Je dis que c'est quoi qui me manquait? Il me manque rien, en fait. Ah, d'accord, je vois ce que c'est. On va passer sur l'assembleur 1, ça va pas aller tout mieux. C'est super, ça va pas mieux. Oh non, c'était cela en plus qu'il me fallait. Assembleur. Oui, c'est ça, c'est plein. J'ai de la place quelque part. Dans la foreuse, quand ça passe. Non, bien sûr que ça passe pas. Le connecteur, il est plein. L'autre connecteur, il est plein. Attends, j'ai de la place dans mes n'importe quoi. Conteneur, j'ai fabriqué 2 conteneurs. En conteneur. Ah oui. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Assembleur 2. Pour enlever le gravier aussi. Voilà. Ouais, j'ai des problèmes dans la vie. Ok, on va remonter lui. On va l'appeler rotor. Alors c'est le rotor. Oh, on a qu'un. Charnière. Ouais, c'est ça, je vais le regretter plus tard. Plus tard, je vais dire, ouais, j'aurais dû le noter, j'avais su. En fait, je sais, donc j'ai pas dit. Ouais, comment c'est, écrire correctement ce que c'est, arrêter de procrastiner. Alors. Attribuer un rotor d'azimut. Un rotor d'azimut. Un rotor d'azimut, charnière. Non, d'azimut, rotor. Élévation, c'est charnière. Ça, c'est bon, et normalement. Ça, il y a un endroit où je lui dis que le soleil, ça va être plus bas. Dans les coches, par là. Ah, il faut une caméra. J'ai la caméra. Bonjour, la petite voix. Bien, et toi, petite voix? Bah, écoute, la petite voix, moi, je passe un bon moment. Et le principal, c'est que moi, je m'amuse. Ah, ma connexion est incroyablement stable. Le public est ébahi. Les gens sont là. Waouh! Pierre, tu as tellement de puissance dans ta connexion. Le chat est en folie en ce moment. Je pense que je décure nulle part. Je pense que je suis le mec incoupable. Bah, écoute, je te remercie. La petite voix dans ma tête. Tout va bien. À bientôt, petite voix. Mais moi aussi, tu sais, petite voix, que hier, j'avais vidé intégralement tout mon fichier avec tous les gros fichiers que j'avais. Je voulais faire un test et j'avais plus de gros fichiers à passer. J'étais très déçu. Mais oui, petite voix. Allez, au revoir. Alors, s'il y en a de vous qui pensent que je suis complètement taré et que je parle tout seul, peut-être. C'est peut-être ça.
normalement elles sont rangées avec les trucs, les caméras, mais je me souviens pas où c'est. J'ai pas envie de chercher, comme j'ai pas envie de chercher, on va faire ça. Les caméras, elles ont un sens. Regardez, le point il va en bas. Voilà, c'est mieux. Bravo Pierre. Alors maintenant, ah, il aurait fallu donner un nom à la caméra, ça aurait été bien. Ici, on va l'appeler caméra. Ah, comment je l'ai appelé le report? Non, je l'ai appelé. Ok, on va aller vérifier ça tout de suite parce que je sais plus. Et voilà, c'est charnière. Ah, voilà. Mm-hmm. Alors rotora, charnière, caméra. Ah, voilà. Oui, Energilo. On va s'en occuper. Alors après, c'est où? Toujours ciblé en direction du soleil. On. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, d'accord. Ça, par contre, j'avais pas trop réfléchi à ça. Mm-hmm. Ça risque de poser un problème. On gérera ça. Là, bien sûr. Ouais, j'avais pas pensé. C'est un peu con. Bon, sinon, ça fonctionne bien, comme vous le pouvez le voir. Allez, on va construire la même chose là. Et on passera à un autre truc de notre vie. Ok. Alors, j'ai dit que je faisais un carré, je crois. Un rond, on peut. Des ronds, carrés. Un rond, un carré. Panneau, on dégage. Je crois que j'avais fait deux. Faire pareil pour moi. Dans ce sens. Panneau. Impossible de te retirer 10 composants de construction, t'es chié. Hein. Sérieux, en vrai. Bien sûr. Allez, c'est parti. Comme ça, ouais. Comme... Hop, hop. Donc, ça, on a dit que c'était le haut. Donc, ça, c'est le bas. On va souder ça, on va rajouter la caméra, on va nommer tout ça. Ah ouais, j'avais un problème d'énergie tout à l'heure, et ça s'est pas arrangé. 5%, 4 ans. Un petit coup de café, quelle heure? 18h, on est tellement là. Par contre, je voulais avancer sur la base, et en fait, on a pas fait grand-chose, hein. On va se mentir. On n'a pas été clé, on n'a pas été super efficace sur la base. Mais qu'est-ce que tu veux expliciter? C'est très dangereux déjà, premièrement, mais en plus, c'est important dans le jeu. Là, on est d'accord, hein, on va avoir un problème. Je pense qu'on a une tour qui va sauter. En vrai, à un moment, on va entendre bling, 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 ça va casser les couilles. On va pas déjà finir ça. Après, si je la réduis, même si je la réduis, ça va bloquer. Je la réduis tellement que ça s'arrête. Je vais mettre plus haut et puis moins. Ouais, vas-y, on la battra la tour. Ouais, on la battra la tour. Hey, j'ai pas rempli le. Allez, plan de construction. Hop, hop. Okay. Ah, il va me manquer la manette de contrôle et l'espèce de début de guérite que j'ai fait. Ah, la caméra. Ah alors, un sens, c'est ça. Oh, comment c'était flippant. Viens, je fais plus jamais ça. Ok, ok, ok. On va finir le petit loop qu'on avait donné. Comme ça sera ça fait. On aurait pu mettre des néons. Les néons, c'est bien. Vas-y, viens, on va mettre des néons. Alors, on finit d'abord proprement et on va mettre les néons après. On rappelle qu'on n'a pas d'électricité, c'est pas le moment de déconner. Non, on n'a pas d'électricité, vous pensez faire du tuning. Vous êtes des vrais. Vrai, peut-être que si j'abats juste le dessus, ça passe. Ouais. Waouh! C'est la bonne solution, on va dire qu'on va faire ça. J'ai mis la caméra, blablabla, blablabla. Allez, blablabla. Qui s'invoque des démons sans faire exprès? Sherdog, à un moment, il va falloir qu'on ait une conversation, toi et moi. Conversation, on va pas te l'air. Alors. Pourquoi je fais ça? Je peux le faire. Mais d'accord, ça sert à rien, bien sûr. Évidemment. Mais j'avais envie de voir un peu ce que ça avait comme gueule finie. La sens de l'esthétisme aussi à un moment quand même. Par exemple, est-ce que ma prochaine pièce, ça serait pas ça? Ou est-ce que je mettrais pas une putain de fenêtre, par exemple? Ouais, tu sais pas, moi non plus. Je pense que ça va finir avec une putain de fenêtre et une petite porte. Ça sert à rien, hein. Mais ça fait un peu la classe. Il faut savoir se faire plaisir, c'est Space Engineer quand même. Je sais pas si je mets ces fenêtres là. On a une un peu cool. Hein. Ouais. Ouais. Ça pourrait être sympa. On verra après pour les fenêtres. Je faisais quoi? Merci pour celui qui a suivi. On a pas renommé les trucs. Donc on a dit rotor, donc B, solaire, R, ok, hop, un tour, charnière, B, un tour, A, caméra, B, pour solaire, ok, incroyable, on fabrique ça, plan de construction, matériaux, tipi 2, incroyable vaisseau, R, donnez ce que je voulais, merde, non je déconne, j'ai dit ça sur le coup de la colère mais je le pensais pas, bon, il m'énerve, je... Et donne-moi ce que je veux, il y a plus d'ordinateur, c'est ça, on veut 1000, génial, ok, alors, attribué, donc on a dit azimut et B, rotor, donc du coup c'est charnière. Et la caméra, c'est la caméra. Et ouais, merveilleux, incroyable, le soleil, les étoiles. Ok. Bon, niveau bilan énergétique, on en est où? Oh, ça tient. Et bien sûr, en overload dans ces. Okay. Bon, on va se reconcentrer un peu sur la base. On verra ça après. Alors, test là-dedans. On en est où au niveau du pont? On est loin encore. On est pas mal du tout. C'est pas assez grand. On veut quelque chose de plus grand. On veut quelque chose de grandiose. Bien sûr qu'ils sont magnifiques, ces panneaux. Va falloir qu'on leur donne un peu de couleur à un moment. On peut pas faire une espèce d'orange. Comment il est? On n'est pas loin du orange Pornhub, là. Hein. Qu'est-ce que c'est un peu plus, alors déjà? Non. Ouais, ça, c'est bien. Non. Ouah, tu te calmes. Ouah, tu te calmes tout de suite. Comment on serait, là? Non, il est plus rouge encore, hein. C'est pas mal, là, non? Parce que ça... On est pas mal. Ouais, on est pas mal. Bien sûr, les panneaux solaires à couleur de Pornhub, ça qu'il fallait. Bien sûr, on peut rajouter de la couleur. Ça va être fantastique. Notre base va être noire et orange. Notre premier vaisseau spatial s'appellera le roi des roues. Et il sera ourou. Ok, j'ai envie de souder ça. Me demande pas pourquoi. En fait, j'ai plein de trucs à faire, mais tout ce que j'ai envie de faire, c'est souder ces conneries-là. Je sais pas quoi. Et en fait, bah, un peu mon stream, donc je vais faire ça. Alors évidemment, toi, si t'avais pas envie de me voir souder, tu dois être là. Oui, regarde, il soude, ça fait chier. D'un autre côté, si tu me regardes en VOD, tu peux passer ce moment un peu gênant et dire. Si je me le mettais en x2 là. Ok. Ouais, maintenant j'ai envie de souder ça. Ouais, ok, quoi. Ouais. Ah non, c'était là. Voilà. Ah, du coup. C'est ce gris là. Ouais. Du coup, c'est ça,
si je fais ça, si je fais ça. Ok, qu'est-ce que je... En fait, je vais faire un truc simple. Moi, ouais, comme pour la tête, je vais faire ça. Ça, il est un peu buncher, comme ça, comme ça. Et rajouter juste une bordure. Sympa. Qu'est-ce que j'ai sous mes portes? J'ai vu, j'ai vu. Comme ça. Ah, j'ai besoin de plaque intérieure. Même. Ok, des plaques. Et voilà, on va y terminer. Je vais te mettre un petit escalier. Je... Et bien sûr. Bonjour, je viens vérifier la pression de l'huile. Tout va très bien, je m'en vais. Pour Florent. Non, c'est pas vrai, je déconne. C'est du talent. Fais ça comme ça, naturel. Incroyable, non? Alors, c'est qu'on en est. On a fait ça. On a fait ça. Bon, là-dessus, c'est pas concluant. On est sur du demi-échec. Déjà, c'est pas joli. En fait, on va couper là, on va remonter là, on va faire une espèce de triangle. Tu vois? Tu vois de là comme ça visuellement. Voilà, c'est ça qu'on veut. Je pense qu'il faut que je remonte au moins d'un. D'un là, on va faire ça. Pourquoi? Parce que après, je souderais tout ça. Je vais construire un vaisseau pour souder un moment. C'est relou. Bonjour, café! T'as fait une petite sieste? J'espère que ça va mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était pas ça. On voyait que t'avais de la bonne volonté, mais que tu pouvais pas. Viens, on va voir ce qui se passe en bas. On va rajouter des pistons et on va causer plus l'envie. Quelle heure il est? Ouais, dans 16. Je suis à combien là? 9 mètres, pas fini. Regarde ça. Alors, regarde. Tu vois la qualité? Tu vois la finition? Voilà. Ça, c'est du mineur qui fait de la belle ouvrage. C'est ça, une mine. C'est incroyable. T'es ébahi. Mal. Là, on a de la glace, tu vois. Et on va. Va falloir qu'on invente un truc. Ouais, il faut voir, je dois construire un peu là. Pour me donner des idées, genre, je sais pas. On va dire qu'ici, il faut pas qu'on creuse trop profond, donc on va dire ici. Oh, comment j'arrive pas à choper le bout. Bon, ah, et là, ils sont deux. Ah. Ok. D'accord, tu vois là cette surface là? C'est là qu'on va prendre notre approvisionnement de glace. Après, on peut faire la surface du lac, hein, mais par en dessous. Ça va se voir, hein, en fait, vu vraiment du dessus. Mais la couche de glace sera intacte. Et de l'espace, ça se voit un peu. Les ébruants. C'est joli, c'est bien fait. Je peux y voir de l'esthétique. Comment on va faire? On va faire un 6. On a fait combien là? On a fait 4. Évidemment, on a fait un chiffre pair, ce qu'il ne faut jamais faire. On va mettre par descendre là. Ok, comment on va faire? Le mieux, ce serait de prendre le centre. Alors, on a dit 2, 4, et on va mettre vite en urgence avant que la foreuse soit pleine en bas. Un convoyeur. Ah, calme. Ok, maintenant, on a dit 2, 1, un coude, et on revient. Pas tout de suite. Ouais, si tu comprends rien, c'est normal, je parle dans ma tête. Dans la petite voix. Seul. En vrai, je crois que j'ai plus rien à boire en plus. Shumble's gone. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Si à un moment, j'y arrive pas, j'irai chercher à boire. Alors, hop, un petit coude. Hop, un petit droit. Voilà. Le mieux, ça serait de faire A. Est-ce que j'arriverai à placer un coude? La piste. Un piston, deux pistons, déjà deux pistons, ça sera un piston, ça va sans la merde, mais c'est pas grave, on va y aller quand même, on va y aller avec courage et détermination, on n'est pas du genre à reculer dans l'adversité, énergie l'eau, parce que ça passe, bon, déjà réglé le problème d'énergie, ah, faut rentrer, bon, en vrai j'ai super soif, bouge pas, tu m'attends, t'es toujours là, ah, l'eau c'est la vie, hein. J'ai une fibre souple et mollassonne, eh, je suis en train de, il me manque une table basse, attends, tu sais pas tout, mais j'ai une putain de table de ferme. Quand je te dis table de ferme, c'est genre la table avec un putain de plateau. Sans déconner, il fait au moins 8 cm d'épaisseur, un morceau de chêne, mais incroyable. Et je me dis, ouais, la table, en fait, elle est pas pratique, elle a pas les bonnes dimensions, au niveau de la hauteur, elle est mal foutue. Voilà, quoi, c'était un truc de fermier à l'ancienne. Je me dis, si je modifie un peu les pieds, je peux en faire une putain de table de base de rêve. Mais j'ai peur, du coup, d'attirer un peu Toxic Queen avec ma table de base de rêve. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je vais pas être un peu trop attirant? Un homme avec une table basse, un plateau en chaîne de 8 cm 8, ça vend du rêve. Salut Corrigan. Alors, on est en pleine crise, mais tout va bien. On a un plan, c'est pas vrai. On improvise complètement. Alors, on a dit que là on était dans la merde. On a dit qu'on était dans la merde. En fait, ouais, on est dans la merde. On va pas se mentir, on va. Il faut qu'on creuse un peu tout ça pour passer, pour être bien, pour commencer à faire une belle mine, tout ça. Attention. Quoi, super. Là, je voulais l'éviter à tout prix. Qu'est-ce qu'on construit tout de suite? Parce que c'est un coup d'avoir un morceau de grille qui se détache, ça peut être chiant, et en plus, c'est pas dans le bon angle. Pour éviter ça, si on était malin, on souderait. Et bien sûr, on n'a pas assez de place d'assis, sinon c'est pas drôle. On va aller en chercher. On en prend, hop, et on plonge. Ah ouais, super. Ok, on est bien, on est vachement bien. Hop. On est comment là? Normalement, on est bien, je pense. Si on n'est pas bien, on recommence. On n'est pas bien, bah, du coup, on va recommencer. En vrai, il faut que je. Ouais, il faut que j'ai lag.
je suis pas bon là. Attends, je le vire. Ok. On va dire qu'on est bon. On est bon. Pas la peine que je m'emmerde à trop les mettre dans le bon sens. Ceux-là, on va les démonter. Vraiment pour faire un début d'analyse. Une fois qu'on aura assez de place, on fabriquera une foreuse. Ok, bon, il faudra vraiment que je pense à faire un truc pour souder. Vite, j'aurais dû le prévoir. On peut bricoler un truc, mais il faudrait peut-être ça offline, vite dans la journée. Pas très amusant à regarder. Pas de faire ça offline, quand il. Ou pas, on verra. Alors, on en est où là? On est arrivé au bout. Alors, on était à quelle vitesse? 2,70, on s'en souviendra. Calme-toi. Toi, tu reviens. Inversé. On va te donner un peu de vitesse, hein, parce que sinon, ça va être super chiant. Dans l'autre sens. Voilà. Dans l'autre sens. Ok. On va avoir un peu plus de place pour mettre des pistons. On va faire même une petite contraction ou deux. Sympa, par là, et on fera pareil. Alors, quelle heure il est? 31. En fait, on a le temps de faire ça. Et comme ça, on est prêt pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, parce qu'on est vendredi. Donc ce soir, quand dira-t-on? Demain après-midi, pas de live pour moi, parce que je vais bricoler. La salle de stream, tata. J'ai commencé donc à récupérer du bois, et j'ai pas mal de travail là-dessus à faire. Après, il y a dimanche, c'est pareil. Stream le soir, pas semaine après-midi. Et lundi, on se retrouve l'après-midi. Et on continuera du Space Engineer, je pense. Tranquille. Et on vous mettra le planning de la semaine aussi. C'est ça. C'est n'importe quoi, hein. On est d'accord. Il y a des manières vachement plus efficaces de faire ça, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc j'invente un truc. Et je vous conseille de faire ça, en fait, amusant. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas précis. Pas mal mettre. Faut absolument que je sois le long. Bon, con. Même pas mes tubes qui font ça. On va essayer les tubes carrés. Je pense que ce soit ça, mais bon. Découvre le jeu avec moi, vive la rhubarbe. Je sais pas si je suis meilleur représentant. Mais moi, je m'éclate bien. Il faut, il y en a au moins qui s'amusent. Et c'est bien que ça soit moi. Alors, en vrai, ça passe, là, tu vois. Putain, tube rond qui fait chier. Note interne, ne plus jamais se servir du tube rond. Ça... Ouais. En vrai, je fais ça. Ça, après, je fais ça, 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 après, ça. Ça va avoir de la gueule. Bien sûr, ça a de la gueule. Ça va être incroyable. Viens, on fait ça. Alors, on a dit... On va pouvoir le faire combien de fois? C'est ça, je crois que c'est la dernière fois. Après, faut qu'on mette les foreuses. Et ça veut dire qu'on aura quand même fait 2, 4, 10, 8 pistons. Alors qu'on aurait pu en mettre 2... Enfin, pas mal. En vrai, on a eu raison. Que ça va passer. Ça passe, hein. J'ai pas envie de me faire chier, vas-y. Ah, c'est bon, ça. C'est pas seulement là. Ah, pas plus haut. Ah, par contre, ça va falloir partager le tenseur d'inertie. On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5. On est bien. Donc, il faudra rajouter cela. Il faudra rajouter cela qu'on avait mis pour aplanir un peu le sol. Après que ça suffit. On va en rajouter un derrière. Mais... Ok, on est pas mal. Il a dit technique. Il est 37, on a le temps de tout souder, faire un test. Soit on part sur une victoire, soit on part sur un échec. J'aimerais tellement pas partir sur un échec. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Non, en vrai, si on prend si on prend le temps de tout bien régler, normalement, ça devrait bien s'assimiler. Hop. Attends, je vais vérifier un truc vite fait quand même. Ça, c'est le truc pour niquer les jonctions là. Vous les avez pas à 100%. En fait, rien qui va se faire. Ah, regarde là, il a 67. Pas au vieux Pierre qu'on apprend à faire la grimace. Non, j'ai plus d'énergie. Non, j'ai plus de matériaux. J'ai tellement vu cette année plein de fois. On va aller reprendre de l'énergie. J'aurais dû foutre un petit siège ici, comme ça, je pourrais m'asseoir et me mettre de l'énergie. C'est tellement plus simple et plus contrôlé. L'énergie, je vais faire ça, un petit siège de contrôle. Carrément une chambre cryogénique. Non, un petit siège, comme ça, je pourrais être contrôlé. Et j'ai mis les sièges. Je vais les mettre au début, non? Non. Là. Je vais le mettre là comme ça. Il va rester où? Est-ce qu'il va disparaître? En vrai, il va disparaître à un moment. Bon, fou, je le mets là. Après, je suis un psychopathe, ça m'énerve. Voilà, on recharge. Antiloubilou, un peu de flotte. Eric, ta mère trouve que je suis un chic type. Pas moi, c'est la chanson. Et moi, ma devise, c'est toujours les mamans. Et oui. Alors, ils ont un mauvais youtubeur. Non, je sais pas, hein, faut savoir. Hein. Alors, ok, la contraction est terminée. On pourrait commencer à la régler, mais en fait, je vais finir de souder quand même ça vite fait. Attends, t'as vu 83%? Viens, viens, on va. Viens, on fait pas ça. Viens, on se fait paniquer. Ok, allez, on fait ça. J'aurais pu le prendre avant, hein. Ça m'aurait évité de faire ça un voyage à vide, mais. Ok, je crois que j'ai rangé les pistons. On a quoi comme pistons là? Là, il y en a quand même beaucoup. J'ai pas envie de les renommer. Enfin, ouais, non, j'ai pas envie de les renommer. Clairement. Là-haut, je sais que j'en ai un ou deux. Et sur le pipi, il y en a un ou deux. Je vais renommer plutôt cela. Salut Artalis. Bon début de week-end à ceux qui rentrent du boulot. Là, vous êtes en train de vous préparer à dîner. On se retrouve à 21h. Ce soir, c'est très salé. Ok, c'est fantastique. Okay, je suis ingénieur. Ok, ceux-là, ils sont pas construits, donc ils vont pas m'emmerder. Après, j'ai tout cela comme pistons. Dis-moi, je les ai nommés. Dis-moi, mais je les ai pas nommés.
Oui, je me disais. Je les ai pas nommés, mais normalement, ils sont sur une autre grille, donc ils devraient avoir une autre couleur. Peut-être qu'on va s'en sortir. Ok. Les pistons A et B, c'est quoi ça? Ça, c'était. Lesquels, pistons A et B? C'est ceux de là. C'est ceux-là. Donc, c'est tous ces pistons-là. J'ai dit que j'en avais 8. 1, 2, 3, 4, 8. On est pas mal. Le sang. Regardez. Off. Partager le tenseur d'inertie. Ça, c'est important. La vitesse. On va mettre une toute petite vitesse. On va les mettre tous ensemble en même temps. Donc, on avait dit 0,05. On va aller 5 fois moins rapidement. 0,01. Ok. Ça, ça va. Après, on va aller régler directement le rotor. Ah, on va faire les foreuses tant qu'on y est. Alors, I, panneau de contrôle. Foreuse. Ouais. Comment ça, un complet. Cette merde. Ah, c'est les autres. On n'a pas fait. Pas être chiant. Alors, contrôle. Et on a un carré de 3 par 3 de mémoire. Non, j'en sais rien. C'est la merde. On a 5. 1 qui est. Combien j'ai mis 4? Ça ferait 9. Super. Alors, foreuse loss. Calme. Super. On est incroyable. Et ça. Ouah, j'ai écrit. Je dirais que c'est bien. Après, ça allume pas. Après, j'ai pas le bouton d'allumage. Chiant. Faire une merde. Je sais pas laquelle. J'ai pas envie de chercher. Je vais le faire à la main. Pourquoi j'ai pas envie de chercher? Parce que elles sont vouées à disparaître. Donc, je m'emmerderai en fait. On va vérifier qu'elles sont toutes bien allumées. C'est nice. C'est pas nice du tout. Voilà. On va dire qu'on est bon. On va faire tourner à 2,70. On est des ouf. On est pas mal. Et oh, vous rentrez du boulot. Et moi, je vous attends en faisant des trous. En dessus, je fort. Alors, pas du tout ce que je voulais faire. Ah, quoique, en vrai, si je veux. Je peux parce que j'ai qu'un groupe que j'ai appuyé piston, le centre. Tout à fait. Je peux faire ça. Et je peux cliquer sur inverser. Tout à fait. Il peut le faire. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton 1. Et normalement, on a entendu le bruit de déclenchement. On va aller vérifier. Mais ça devrait commencer à s'étendre tout doucement. Voilà. Là, on est à 0,001 mètre. Donc, il y a 8 cm qui viennent d'être injectés. Transmis. Et ça va causer tout doucement, mais sûrement. Il nous fera un coup de 80 mètres de diamètre. On commence à être sur de la petite villa. Pas mal. Mais est-ce que c'est assez? Quelle heure il est? 49. Mais tellement bien. On va finir de souder ça gentiment. Ensemble. Puis on va se poser tranquillement et on va réfléchir à l'avenir. Notre avenir en commun. On a un avenir. Voilà. Déjà nuit. Rip les panneaux solaires et vive les éoliennes. Bon, elle était pas incroyable cette session. On a construit des trucs extraordinaires. On aimerait bien finir. Au moins ça, quand même. Quoi propre. On a rien foutu sur le pipi, par contre. Le pipi était dans solitaire aujourd'hui. Alors, on n'a pas modifié le pipi. Cependant, on a fait quelques turbines, quelques éoliennes. On a fait deux magnifiques tours solaires. On a repeint aux couleurs de la chaîne. Ça, c'est un bon début. On a créé une très jolie petite guérite. C'est incroyable. Manque de finition, manque de couleurs. Mais il y a de l'idée. On a continué notre petite base. Ça, c'est pas mal. Là, on est en train de préparer de quoi forer de la glace. La glace pour pouvoir faire de l'hydrogène pour alimenter des moteurs à hydrogène parce que l'électricité, sa mère. Bien sûr, c'est ça qu'il nous faut. Après, on a le début de notre base. Donc là, on est dans le puits de l'ascenseur, du fur ascenseur. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais on sait qu'il y aura un ascenseur avec notre contraction qui va nous permettre de commencer à créer la place pour nous installer correctement. Afin de faire une base, pour pouvoir créer un vaisseau à beaucoup plus gros, qui s'appellera le roi des roues, nous permettra d'atteindre l'espace et de continuer notre aventure dans l'espace. Un jour atteindre la lune. Bien sûr. Parce que, héros de la lune. Ouais, pas mal. Alors, on va continuer à souder gentiment. Faut qu'on rajoute des réacteurs, là. On peut faire ça vite fait. Au moins les poser. Pas les souder parce que c'est lent. Enfin, j'arrive plus à parler. Ça, c'est la soif. Bien sûr, il fait sombre. C'est la nuit, c'est fou. Regarde ça. Regarde ce beau ciel étoilé que je t'offre. Pas magnifique. J'ai dit que je serais rajouter des réacteurs. C'est ça que j'ai dit qu'on vous avant de partir. On va rajouter des petits réacteurs et on va les rajouter comme ça. Pas de quoi construire. Alors, 6 petits réacteurs, ça fait la puissance d'un gros. Hein. Donc, si j'arrive à remplacer 6 petites passes façon élégante, hein, c'est une victoire. Et ça donne quoi? Pas mal. En vrai, le vaisseau, il y a peu de chances qu'on le dépêche. Juste, ça me saoule un peu qu'il soit pas à son plein potentiel. C'est quand même le pipi, quoi. Je veux dire, ça, pas n'importe quoi. Peu de considération à avoir pour l'engin. On va rajouter un comme ça. Je rajoute bien quelques-uns au moins directionnels, ouais. Quoi, c'est sûr que je rajoute. Donc, c'est sûr que je rajoute. Bien, d'abord, je fais ça et après, on voit. T'es à quelle hauteur? J'aurais pu. Mais ouais, tu sais quoi? Eh, pas un âne, j'ai oublié de payer les réacteurs. Oui, ils m'ont bouffé toute mon électricité aussi. Et là, ça me regarde l'électricité de la base. Mais je te bais, hein. Là, je vais même pas dire que vous l'avez pas dit dans le chat. Si ça se trouve, ça fait une heure, vous me le dites et que j'ai pas vu. J'ai oublié de les couper. Qu'est-ce que je suis tête en l'air, hein. Franchement, pas malin de ma part.
J'étais là, putain, je comprends pas, y a grand chose. Comment ça se fait que ça consomme aussi peu avec mon moteur? Normalement, je le coupe. On a tout fait. Il me semble que j'ai pas tout fait. T'inquiète pas, Elric, assieds-toi et profite de la balade. Qu'est-ce que je fais? Alors, je suis un âne, je t'explique, j'ai plus d'électricité et je viens de me rendre compte, en gros, que j'avais laissé, le four en micro-ondes allumé et toutes les lumières allumées dans la maison et je me plains d'avoir une grosse note, quoi. Je suis un peu bête. Clairement, j'étais un peu bête. Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. Panneau de contrôle. J'aurais dû prendre les propulseurs, comme ceci. Prendre le tout grand propulseur, commuter sur off. Prendre le petit propulseur, commuter sur off. Voilà. Et là, pour la blague, on va les vérifier et tu vas voir que ça va aller vachement plus mieux au niveau de l'alimentation. Ce qui veut pas dire qu'on a fait tout ça pour rien. Loin de là. Cependant, c'est vrai que c'est un peu con, quoi. Voilà. On est dans le positif. Recharger dans 35 minutes. voilà. Donc, l'explication, Elric, c'est que tu regardes un mec qui est censé à peu près savoir ce qu'il fait, faire des conneries. Donc, voilà. C'était le tuto de qu'il ne faut pas faire. Surtout quand vous avez un problème d'énergie, faites des économies. Écoutez le gouvernement. Un clic, deux clics, je sais plus quoi, et coupez votre box. Non, pas maintenant, je déconne. Surtout pas, reste là. Mais en vrai, je pense pas que la LED de ta box a sauvé la planète. Hein. Mais on sait jamais. Pas scientifique non plus. Ok, bon, allez. On va dire qu'on finit sur plein de notes positives. On a donc notre petit truc, en fait, a l'air de fonctionner. Attends, on va les vérifier quand même avant de nous fanfaronner. Ça, tu vois, ça s'appelle un échec. Ok, bon. Et à un moment, ça s'est mal passé. Cette pièce-là devrait être là. Elric, tu comprends. Même toi, tu comprends. Pour après. Ok, bon, bah voilà. J'aurais pas dû aller vérifier. On est d'accord. C'est le truc, j'aurais dû dire, ouais, non, en fait, ça va bien se passer. Puis ça m'aurait fait la surprise pour lundi. Là, ça va me saouler. Ah, ça va être relou. Bien, j'ai pas envie de faire ça maintenant. On va ajouter la tête. On va inverser les pistons, comme ça, ça fait. Un échec. Bien sûr que je les avais soudés. Mais j'ai dû utiliser de l'acier de mauvaise qualité. Tellement, sabotage des Ouïghours. Tant que je leur en fous plein la gueule, qu'ils essayent de se venger, m'étonne surtout pas. Ah, bon. Non, je sais ce qui s'est passé. J'étais un peu ambitieux. Bien sûr, c'est chiant. Pourtant, je regarde les forgerons tous les soirs. J'aurais dû prendre du 31-10. Je le sais, bien sûr. La soudure à froid. Jamais bon. Allez. On a dit qu'on l'a fait, on l'a dit qu'on l'avait fait, on a dit qu'on le ferait et qu'on l'a pas fait. Je crois qu'on l'a pas fait. On le sent inversé. Bon. Ok. Bon, bah, lundi, on commencera par ça, hein. On découpera toute cette merde qu'on a faite. Sachant que ça va être un peu chiant. Je le cache pas. Il va falloir faire des allers-retours. On va essayer de faire un truc intelligent. On va peut-être construire un coffre là, ou on va peut-être construire notre première foreuse ici. Et on essaiera d'éviter d'aller là-haut. Vivement l'ascenseur. Ok. Bah, il nous restera ça soudé. Un peu chiant. Oh, il pleut, il fait nuit et tout, super. On finira de modifier le pipi. Tranquiloubilou. J'ai dit tranquiloubilou en 2024 et je t'emmerde. Je fais ce que je veux. Et oui. Et puis voilà. On est arrivé à 19h. On était à l'heure. On va finir à l'heure. On est plutôt pas trop mauvais. On se dit à tout à l'heure. 21h pour le pré-roll. Parce que, c'est là où tu scrolls. On se dit 21h32 pour le chef. Pour qu'il vous explique tout ça, toute la soirée. Il viendra nous rejoindre après, comme d'habitude. Et puis, je pense qu'on sera tous les deux ce soir. Soirée compliquée. On va pas se mentir. Soirée compliquée. Il y a pas mal de sujets plus ou moins pas sympathiques à aborder. Mais c'est les candidats. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous embrasse. Merci de votre présence. Je vous aime. Et je vous dis à lundi pour la suite de Space Engineer. Et à ce soir pour un candidat. À tout à l'heure.